courage les gars, encore jusqu'au bout. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on est à la prison, ou autrement dit la maison d'arrêt d'Albi, et on va vivre le quotidien d'un prisonnier et voir un peu ce qu'il mange, ce qu'il boit et comment il vit en général. Vous êtes prêts? C'est parti. Damn Thomas, damn Ashraf, damn Xavier, comment tu vas bien? Damn Ilyes. Enchanté Thibaut. T'es un abonné? Ah, je suis un abonné moi. Ah, il y a une petite belle, elle est là ou pas? Ah, il est pas là. Ok les gens, là il y a des barbelés. Et ça coupe vraiment, c'est pas fait pour faire joli. Ok les gens, donc là c'est l'entrée du personnel et des familles. C'est aussi par cette porte là que les détenus sortiront quand ils auront purgé leur peine. Donc les gens, c'est parti, on va rentrer dans la prison. Là on vient de passer le portail d'entrée. On est dans le premier sas qui permet de checker et de vérifier la carte d'identité pour qu'ensuite on puisse rentrer dans la prison. Ouais, comme vous voulez. Ok les gens, c'est parti, on va dans la salle de sport. Ouais. T'as quel âge? 26 ans. J'ai 21 ans. 36 ans. Dans quelques jours, je vais avoir 55 ans. Bon anniversaire en avance alors. Ouais, merci. Là, c'est le bureau de la directrice. Ok les gens, juste là, on a la cellule des arrivants. C'est là où les détenus vont après être allés en garde à vue. C'est comme ça, c'est pas très très grand. Je vais faire mais gros. Pas trop gros. Là, on va passer le sas. C'est un sas d'entrée qui permet d'entrer ensuite dans la prison. Dans le premier sas. Donc là, les gens, on a la prison juste là. Et pour pouvoir rentrer, il faut que la porte de derrière soit obligatoirement fermée. Elle est fermée. On peut y aller. Allez gros, allez. Voilà, comme voilà. Ça. Allez, encourage les gars, allez. Allez, on est là. On va casser la machine, il va falloir remplacer la machine les gars. On n'arrive pas, allez. Lâche pas. Il n'y a pas d'âge, Xavier, il n'y a pas d'âge. Allez Xavier, jusqu'au bout. Et boum. Jusqu'au bout. C'est maintenant ou jamais, au revoir. Depuis combien de temps t'es en prison? 6 ans et 4 mois, à peu près 5 mois. Exactement 8 mois. 3 ans. Et pour combien de temps? Je suis en attente de mon jugement. Je ne sais pas, je suis en attente de mon jugement. Et tu dois rester combien de temps là? J'ai pris 20 ans. Donc les gens, là on a la salle de sport qui est juste là. Donc différents matos, la presse pour les cuisses, quadriceps, les ischios. Avec toutes ces machines là, pas d'excuses pour ne pas faire les jambes. Un lavabo pour boire un petit peu, un urinoir, les toilettes juste là. Ou les douches. Les douches plutôt. Maintenant au mur, vous avez différents programmes de muscu. Allez, t'entends, t'es puissant, c'est bien. Impeccable, c'est bon, ça, génial. Tu peux encore, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Est-ce que tu peux raconter, toi, le premier jour où t'es arrivé ici un peu? Moi, c'est pas la première fois que je rentre. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avais vu les pleurs de ma famille, j'étais déçu de moi, parce que je leur avais fait du mal. C'est pas facile, il faut s'adapter. Ton premier jour en prison, comment c'est passé alors? C'est un choc. Vous rentrez dans une cour où il y a 200 personnes sur un espace de quelques mètres carrés. Rentrer en prison, c'est une violence. Ça a été pour moi un choc, donc je l'ai mal vécu. Ok les gens, donc on continue d'avancer dans la prison. Petite peinture de Zidane. En prison aussi, il y a un tableau avec toutes les activités qui sont possibles de faire. C'est qui cette tête de con là? Ok les gens, donc là c'est le moment du repas. Donc toutes les portes sont fermées. On ouvre les portes une par une pour leur servir le repas. Donc là c'est la gamelle. Donc il y a de l'omelette, il y a du poisson, il y a de la saucisse, des haricots blancs. Il y a même du camembert quoi. Ouais, cœur de lion. Même moi j'achète pas ça. Fais pas un peu les gars. Fais pas pour moi, on lâche pas, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 14. Allez les gars, allez, on lâche 17, pas. 17, on continue, 2, 23, 24, 25, 26, 27. Allez les gars, allez. On continue, 1, 37, 38, 39, 40, on continue. Jouer, allez, 1, 2, 3, 8, allez, 9, 10. Bien joué allez, les gars. Allez, 0. On peut s'applaudir les gars. On peut s'applaudir. Est-ce que tu t'entraînes souvent? 4-5 fois par semaine. 3 fois par semaine. En fait, j'ai un programme, je m'entraîne 3 fois par semaine. T'as pris des bras un peu, non? Ouais, j'ai pris 10 kilos, ça. Ok, les gens, là par exemple, on est dans l'endroit où il y a toutes les douches. C'est des douches communes, ils ont le droit d'y aller tous les matins. Maintenant, on va visiter une cellule. Donc là, c'est l'œil tour pour permettre aux gardiens donc, de regarder à l'intérieur de la cellule. Il y a les noms juste à côté. Pas de cellule, on ne regarde pas notre cellule. On peut la regarder. C'est bon? Faites un coucou? Ouvrir. Ouvrir. Oh quoi Thibaut. Et toi? Déjà juste vos chaussures. On va enlever les chaussures. C'est combien de mètres carrés la cellule ici? À la base je crois qu'il y a 9 mètres carrés. Ensuite tout ce qui est frigo, télé, comment vous pouvez l'avoir? Le frigo c'est 6 euros et la télé c'est 6 euros. D'accord, ok. Pardon, parce qu'on a les chaînes Canal Plus. Et on a la chance de pouvoir acheter des cantinés, ça veut dire acheter ouais. Des plaques chauffantes pour réchauffer nos aliments. Qui c'est qui est fan de Johnny? J'ai besoin de savoir. Johnny représente. Ça sent bon et c'est propre. Du coup, il y a un toilette par cellule, c'est ça? C'est ça, voilà, regarde. Le toilette ici. Ok les gars, il n'y a pas de bonne séance sur les pecs. Allez, passe le pas. Allez, encore.
t'aide psychologiquement en fait de faire du sport? Je me sens bien. Que du bon, que du positif. J'ai un objectif. C'est le sport qui me fait tenir. Parce que ça me canalise, ça me permet de m'évader, ça m'oxygène l'esprit, ça me fatigue, c'est de la bonne fatigue. Ça me permet en même temps de m'énerver contre moi-même et pas sur les autres. Et du coup, vous êtes trois dans la cellule et je vois que deux lits. Et du coup, donc il y a ce troisième matelas qu'on le cache. Dernier qui se couche la nuit, c'est lui qui a le droit de prendre la place du milieu là. Ça veut dire que chaque détenu a sa cellule. Ça dépend. Si par exemple là on s'accroche ou quoi, c'est fait. Ça dépend. On peut bouger. On peut bouger. Y a pas de... Si ils nous disent de partir, on écoute, on part. Et des casseroles, des Chanifi, des Haribo pour le cheat meal. Là vous avez le lit, vous avez un oreiller ou pas? C'est ça du coup, les oreillers là. D'accord, ok, l'oreiller là. Et le frigo. Là c'est pour les tests d'urine, hein? Ouais. Non, ça c'est pas ce que vous croyez, c'est une pommade parce que je me suis blessé ici. Ah, c'est une pommade? Comment ça se passe l'alimentation ici? On va cantiner. Ça veut dire quoi cantiner alors? On va prendre un banc, il y a des aliments, on choisit ce qu'on veut, il faut avoir de l'argent sur le pécule. Le pécule, c'est le compte que vous avez en prison, c'est ça? Oui. Niveau alimentation, c'est bien ici ou pas? Ouais, c'est bien, c'est équilibré, il y a tout ce qu'il faut pour une bonne prise de masse. Ok les gens, donc là vous avez l'exemple d'une cantine que les détenus ont commandé avec leur argent. Il y a des amandes pour les bons lipides, c'est important, de la viande. Il y a du pain caissera aussi, du safran, du saucisson, encore du saucisson et encore du saucisson. Ils aiment beaucoup le saucisson. Tous ces aliments, ça va être distribué dans différentes cellules suivant ce que le détenu a commandé. Hey, gros. Passez. Bah. Sec, hein, il est sec. Envoie une autre pour le plaisir. Allez. Bah. C'est bien là. Super, encore, on continue, allez. Il y a une connexion pour savoir ton muscle. T'entends plus rien, t'es juste concentré. Encore. Allez, je tombe, arrache. C'est le plus important au monde, c'est que t'aies des gros biceps. Il est chaud, tu vois. Allez, on va bien dormir après. Allez, encore, t'as du jus, tu le sais. Bravo. Est-ce qu'on peut suivre des cours ici en prison? J'ai quand même réussi à passer deux formations, dont APH et cuisine. Après, j'ai fait pas mal d'écoles pendant 3 ans. Il y en a beaucoup ici qui sont, malheureusement, qui ne savent pas lire et écrire. Je dis, mais allez-y, foncez, c'est gratuit, c'est à portée de main. Est-ce que toi, tu suis des cours en prison? Oui, j'ai suivi des cours d'anglais, mais il y a aussi des cours de français, des cours de maths. Je suis des cours d'espagnol. Si on peut quand même passer un bac. Et tu vas souvent en cours ou pas? Sans mentir. Je suis un mauvais étudiant. Ah, t'essayes. C'est important. Là les gens, on va aller dans la cour, dans la promenade. Donc là les gens, c'est la promenade. C'est un lieu où les détenus peuvent aller 2 fois par jour pendant 1h15 à chaque fois. C'est ce qui permet un peu, voilà, de prendre un peu l'air dans la journée. Par exemple, on peut faire du ping-pong. Là vous avez un terrain de foot et un terrain de basket. Des appareils de muscu à l'extérieur. Différentes choses qui permettent vraiment de s'occuper en prison. Nous allons faire sortir les gars. Allez. Okay, c'est parti, allez, on va. Allez, machine, allez, t'es dedans. Allez, des gros triceps. On l'encourage, les gars. Encore, jusqu'au bout. Boum, arrache-toi. Comment le vivent tes proches alors? Le fait qu'ils soient ici, comment ils le vivent eux alors? Ils vivent mal, mais après, il faut s'adapter. Comme je m'adapte, il n'y a pas le choix, de toute façon. Ils viennent des fois du coup au parloir? Ouais. On punit, qu'on le veuille ou non, la famille, puisque pendant les années qu'on passe ici, ça les torture. Ils viennent souriants et tout ça, etc. Mais ils pleurent le soir. On va travailler le dos, les gars, j'ai besoin de votre force, les gars. Position propre, dos droit, et on arrache, et on envoie. Bah. Allez, ouais. On y est. Ah, pareil, allez, t'es dedans, t'es chaud, tu le sais. Allez, on lâche pas. Tu peux mieux faire, tu le sais. Souffle bien, gros. On y est. Allez, super, allez, on est là. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant, allez. Tu le sais, t'as la force, t'as la puissance, allez. T'es bien. On va applaudir. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à l'ancien toi? À toi avant que t'ailles en prison, en fait. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Je réfléchis 20 fois avant de faire quelque chose. De réfléchir évidemment avant d'agir, mais bon, l'humain, il a un côté sombre. Il faut savoir que le jour où vous êtes rattrapé, ce côté sombre va vous tuer et vous passez donc des années en prison et là vous dites, est-ce que ça valait le coup? Moi en fait la prison c'est ça qui m'a aidé à comprendre, à prendre du temps pour réfléchir à tout ce que j'ai fait et je me dis que c'est un mal pour un bien, quand je sors je serai droit. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ton ancien toi? Je commencerai par lui tirer les oreilles déjà, que j'irai pas me cramer quoi, j'irai pas faire ces conneries là. Allez on voit, encore. C'est bien. Allez, t'es dedans, super. Allez gros, allez. Est-ce qu'il y a un mec qui sait le faire avec moi, le drapeau? Thomas. Allez, 1, 2, 3. Ouais, bien. Oh, il est chaud, Thomas.
Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui vont regarder la vidéo alors? Faut pas faire de conneries, faut être bien, faut dans le bon chemin, faut baisser les bras pour ceux qui sont en prison, faut garder la tête haute et rester fort et avancer. Et je leur dirais que personnellement, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Le mal, ça attire le mal et le bien, ça attire le bien. Faut être droit dans la vie. Attendez la Team Shape. Maintenant, il est grand temps que je vous donne mon ressenti sur cette expérience. Déjà, je voulais remercier le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire, toute son équipe du SPIP du Tarn, Alexandre et le personnel de la prison d'Albi de m'avoir permis de faire cette vidéo. Pour moi, cette vidéo a trois buts. Vous sensibiliser au milieu carcéral, vous montrer la réalité telle qu'elle est et non pas celle qu'on peut voir dans les séries, rendre visite aux détenus et partager ensemble la passion du sport. Je ne vous cache pas qu'au tout début, quand je suis arrivé devant la grande porte d'entrée, j'avais un léger stress. Car avec tout ce qu'on dit sur la prison, ça donne pas trop envie d'aller y passer des vacances. Mais au final, après avoir discuté et m'être entraîné avec différents détenus, on en oublie que ce sont des prisonniers. Même si, évidemment, on ne peut pas pardonner les actes qu'ils ont commis. Maintenant, j'ai un message pour les prisonniers qui sont là-bas, car je sais que même si les portables sont interdits, vous trouverez un moyen de voir cette vidéo. Tout d'abord, merci pour votre accueil et de m'avoir supporté le temps d'une journée. Ensuite, si je peux me permettre de vous donner un conseil, ce serait d'utiliser le temps que vous avez en prison pour faire quelque chose qui vous sera utile. Quelque chose qui vous servira quand vous sortirez. Du sport, faire des études, apprendre une langue. Faites ce que vous voulez, mais ne restez pas sans rien faire. Au nom de la Team Shape et de ses 4 millions de petites veines, je vous souhaite le meilleur. Mais merci beaucoup Thibaut, mec, ça nous fait plaisir de te voir. Bah écoute mec, avec... Je te fais la bise tranquille. Avec grand plaisir. Non, après, merci beaucoup pour ce que t'as fait. Ça nous fait vraiment plaisir et c'est un bon geste. C'est un bon geste, ça va nous aider à avancer. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum.